Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui La coopération algéro-espagnole convergent sur le règlement de la crise libyenne par le dialogue. Algérie Bushwareb plaide pour un partenariat stratégique entre Alger et Berlin. Immigration clandestine Obama et Renzi insistent sur une solution en Libye. Mali deux morts et un blessé dans l'attaque d'un convoi de la Minusma. En Syrie, Assad accuse Ankara de torpiller les plans de l'ONU. Nous débutons ce journal avec la visite du président rwandais Paul Kagame à partir de dimanche en Algérie. Sur invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika, indique samedi un communiqué de la présidence de la République. Le président rwandais Paul Kagame. Effectuera à partir de dimanche une visite d'État de trois jours en Algérie sur invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique samedi un communiqué de la présidence. Cette visite sera l'occasion pour les deux pays qui partagent des liens traditionnels d'amitié et de coopération de procéder au plus haut niveau à un échange de vues sur des questions d'intérêt commun, notamment africaines, précise la même source. Les discussions entre les membres des deux délégations permettront aux deux parties d'identifier les voies et moyens de promouvoir leurs échanges et leur coopération dans tous les domaines, y compris avec le concours de leurs opérateurs économiques publics et privés, ajoute le communiqué. Côté économie, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouarab, a plaidé vendredi à Berlin pour un partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Allemagne, appelant à mettre à profit les potentialités que recèlent les économies des deux pays. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouarb, a plaidé vendredi à Berlin pour un partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Allemagne, appelant à mettre à profit les potentialités que recèlent les économies des deux pays. Notre objectif fondamental commun devra converger vers la concrétisation des aspirations et attentes des opérateurs économiques de nos deux nations et de mettre en valeur les potentialités que recèlent nos économies pour bâtir un partenariat de choix, un partenariat stratégique, a déclaré M. Bushwerb à la clôture de la cinquième session économique algéro-allemande qui s'est tenue les 15 et 16 avril à Berlin. S'il y a un défi que nous devons nous donner dès à présent et sans hésiter, c'est bien celui de transformer la présence économique en investissement direct, a-t-il encore plaidé lors de cette rencontre qu'il a coprésidée avec son homologue allemand, le secrétaire d'État au ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, Matthias Machnig Il a relevé que les entreprises allemandes ne devraient plus hésiter à venir investir en Algérie, car toutes les appréhensions doivent disparaître pour ne laisser place qu'à la confiance. Après avoir abordé les aspects institutionnels de la coopération économique bilatérale, M. Bushwerb a passé en revue le volet relatif aux entreprises, notamment l'état d'avancement des partenariats. Se félicitant de la qualité de la coopération avec les partenaires allemands, M. Bushwerb a indiqué que ces partenariats, notamment dans l'industrie mécanique, ont commencé à apporter leurs premiers résultats, notamment à Ruiba et à Constantine. D'autres secteurs ont été identifiés comme potentiellement porteurs d'intérêt pour des investissements structurants à l'instar de la métallurgie, la sidérurgie, les technologies et les mines. À ce propos, le ministre a exprimé l'intérêt de l'Algérie pour l'expertise allemande ainsi que pour la formation professionnelle et l'apprentissage. La cinquième commission mixte algéro-allemande s'est soldée par la signature du procès verbal, consignant le bilan des relations bilatérales dans plusieurs secteurs de coopération et traçant la feuille de route des prochaines étapes. Les deux parties ont convenu de tenir la sixième session de la commission mixte en juillet 2016 à Alger. Par ailleurs, M. Bouchoual a pris part à Berlin à l'ouverture du forum d'affaires algéro-allemand tenu en marge de cette commission mixte au siège du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie. Sur le plan de la diplomatie internationale, la crise en Libye et sa résolution par la voie politique ont été parmi les principaux axes abordés par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines africaines, Abdelkader Messahel, avec les responsables espagnols à la faveur de sa visite de deux jours effectuée à Madrid. S'exprimant au terme de cette visite achevée vendredi, M. Messahel a souligné que l'Algérie et l'Espagne ont un point de vue tout à fait convergent sur la nécessité d'aller vers une solution politique qui préserve l'intégrité territoriale et l'unité de la Libye, la formation d'un gouvernement d'union nationale qui puisse être un interlocuteur. Et l'interface non seulement de la population libyenne, mais également de la communauté internationale. Indiqué M. Messahel. L'autre question importante est relative aux efforts de l'ONU à travers son représentant Bernardino Leone en vue d'œuvrer pour une transition qui mènerait la Libye vers la normalisation, a fait remarquer M. Messahel. Sur le dossier de la lutte antiterroriste, M. Messahel, lors de ses rencontres avec les responsables espagnols, a présenté un exposé sur l'action de l'Algérie. Il s'agit notamment de la préparation d'une conférence en juillet ou à la fin de l'année sur le financement du terrorisme. Monsieur Messahel avait entamé jeudi dernier une visite à Madrid sur invitation du secrétaire d'État espagnol des Affaires étrangères, Ignacio Ibanez. Il a également animé une conférence à Casa Arabe sur le thème de la sécurité régionale. Affirmant que la voie pacifique reste le moyen incontournable pour le règlement des conflits et des différends, tout en ajoutant que la solution politique isole les groupes terroristes, dévoile leur véritable nature et objectif et permet la mobilisation des ressources disponibles pour mieux les combattre. Sur les relations algéro-françaises, le secrétaire d'État auprès du ministère français de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, a indiqué samedi que sa visite en Algérie s'inscrit dans une démarche d'amitié et de respect. Dans le souci d'appréhender la mémoire commune des deux pays, appelés à se tourner ensemble vers l'avenir. Monsieur Todeschini, qui sera en visite à partir de dimanche, a appelé dans un entretien à l'APS l'Algérie et la France à vivre ensemble leur histoire partagée. Il a fait observer qu'il ne s'agit pas de dépasser les questions mémorielles, mais qu'il s'agit plutôt de mieux vivre ensemble avec notre histoire qui, quoi qu'on en fasse, nous est pour une bonne part commune. Le secrétaire d'État français, qui effectue un voyage mémoriel en Algérie, a indiqué que c'est pour la première fois qu'une autorité ministérielle française se rend à Sétif en compagnie du ministre des Moudjahidines, Tayyip Zitouni, pour déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid, premier martyr algérien des massacres de Sétif, Gelma et Kharata. Le responsable français a qualifié ce geste de fort et très concret à la veille du 70e anniversaire du 8 mai 1945. Pour M. Todeschini, c'est cet esprit qui préside aujourd'hui aux relations entre l'Algérie et la France. Et cela passe par des gestes forts et concrets. Comme cet hommage que je rendrai à Sa'al Bouzid, mais aussi aux combattants algériens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont engagés dans le combat contre le nazisme. A une question sur la reconnaissance officielle des massacres du 8 mai 45 à Sétif, il a répondu que cette reconnaissance officielle a eu lieu dans des termes très solennels lors du discours prononcé par le président Hollande devant le Parlement algérien le 20 décembre 2012, qui avait affirmé que les massacres de Sétif Gelma et Hrata, demeurent ancrés dans la conscience des Algériens mais aussi des Français, parce qu'à Sétif le 8 mai 45, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs. Au sujet de la loi Morin, M. Todeschini a rappelé que le président français avait indiqué que les conséquences de ces essais nucléaires sont pleinement assumées et prises en compte par l'État français qui agit en toute transparence. Il a expliqué que ce dispositif examine notamment les demandes d'indemnisation présentées par les ressortissants algériens selon les trois critères de l'espace, du temps et de l'existence de l'une des maladies considérées comme potentiellement radio -induite. Selon le secrétaire d'État français, les gouvernements des deux pays sont convenus depuis décembre 2014 de mettre en place une structure mixte permettant de réfléchir à la façon de faciliter le dépôt des demandes d'indemnisation par les éventuelles victimes algériennes des essais nucléaires français, précisant que la première réunion de ce dispositif interviendra très prochainement et en tout cas avant la fin 2015. Sur le plan religieux, la Grande Mosquée Abdelhamid Ben Badis a été inaugurée vendredi par le ministre des Affaires religieuses et des Warf, Mohamed Aissa, en présence des autorités locales et d'un grand nombre d'invités et de citoyens venus découvrir cet imposant édifice religieux. Dans son allocution, le ministre a estimé que la Grande Mosquée d'Oran, tout comme la Mosquée Amir Abdelkader de Constantine, représente des symboles de l'attachement profond de l'Algérie à sa religion musulmane et du recouvrement de la souveraineté nationale. Il a également rappelé que la construction de ce pôle culturel et culturel a rencontré des difficultés. Il a fallu l'intervention du président de la République Abdelaziz Bouteflira, qui a décidé en 2007 le financement du projet sur le budget de l'État pour qu'enfin le projet soit achevé, a-t-il indiqué, tout en soulignant que cette inauguration coïncide avec le lancement de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, lors de la journée du savoir. La réalisation de ce projet gigantesque a été entamée en 2000 après un retard qui a duré 30 ans. Le coût de ce projet a été de l'ordre de 8,5 milliards de dinars. Édifiée à Hay à l'est doran la mosquée Abdelhamid Ben Badis, d'une capacité d'accueil de 25 000 fidèles, se distingue aussi par son minaret couvert en verre de 104 mètres de haut. Par ailleurs, les participants au colloque qui s'est tenu à la grande mosquée Doran, Sheikh Abdelhamid Ben Badis, ont souligné vendredi soir que l'action réformiste de l'imam a été une bataille contre l'ignorance, la colonisation, les spoliations et les tentatives d'aliénation de son identité. En outre, la ville d'Oran compte quatre autres mosquées anciennes, celles de Sidi Mohamed Kebir, Diouhara, Abdullah ben Salem et Imam Houari. La construction de cette dernière remonte au XIVe siècle. La mosquée Abdullah ben Salem a été rénovée il y a cinq ans, alors que les travaux de restauration de la mosquée Imam Houari enregistrent un taux d'avancement de 9%. Sur le plan international, la crise tragique de l'immigration clandestine en Méditerranée ne pourra être résolue sans stabilisation de la situation en Libye, ont déclaré Matteo Renzi et Barack Obama, soulignant que quelques frappes ne suffiront pas à rétablir la situation. La seule solution aujourd'hui en Libye est la paix et la stabilité des institutions, a déclaré le Premier ministre italien lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec le président américain. Soulignant que 91% des migrants qui arrivent en Italie depuis l'Afrique passent par la Libye, exactement comme il y a trois ans, lorsque les gens venaient de Tunisie en l'absence de stabilité dans ce pays. M. Renzi a insisté sur la nécessité d'une véritable coordination internationale. La Méditerranée est une mer, pas un cimetière a lancé M. Renzi. Évoquant la situation sécuritaire, le Premier ministre italien a martelé que tous les pays devaient se sentir concernés. Nous devons aussi avoir pleinement conscience du fait que le travail à faire concerne la Libye, mais aussi toute l'Afrique et je dirais le monde entier, a-t-il dit. À ses côtés, M. Obama, qui a longuement salué l'énergie et la vision de son invité, a rappelé l'inquiétude américaine face à l'établissement des zones contrôlées par des groupes terroristes en Libye. Concernant le renforcement de la lutte antiterroriste, combiné à un effort politique, Obama a souligné que la seule réponse crédible sur le long terme était d'avoir un gouvernement en place qui contrôle ses frontières et travaille avec nous. Nous ne pourrons pas résoudre le problème avec quelques opérations militaires, a ajouté M. Obama, évoquant un pays déchiré, de nombreuses factions tribales et un gouvernement central qui ne fonctionne pas. Le dossier libyen a été la source de vives tensions, en particulier entre le Qatar et l'Égypte. Doha a ouvertement critiqué les frappes égyptiennes contre le Yémen, se voyant accusé en retour par le Caire de soutenir le terrorisme. Face à l'afflux de naufragés sur les côtes italiennes, quatre pays de l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne, la France et la Slovaquie, ont signé vendredi une déclaration pour réclamer une solution commune et forte au niveau européen. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, deux personnes ont été tuées et une autre a été blessée par balle près de Gao dans le nord du Mali, dans l'attaque d'un convoi de fournisseurs civils de la mission de l'ONU au Mali, annoncé samedi à MINUSMA. Deux assaillants ont stoppé le convoi à 15 km de Gao et ont froidement abattu deux des chauffeurs et fait un blessé par balle. La force de l'ONU condamne fermement cette nouvelle attaque touchant des civils innocents et met tout en œuvre pour que les responsables soient appréhendés, traduits en justice et qu'ils répondent de leurs actes. Cette attaque survient quelques jours après un attentat suicide qui a visé mercredi une base de l'ONU, également près de Gao, tuant deux civils et blessant neuf soldats nigériens. L'attentat a été revendiqué par le groupe terroriste dans un enregistrement audio diffusé vendredi par l'agence privée mauritanienne Al Akhbar. La Minusma est déployée depuis juillet 2013 à la suite de l'opération française Serval lancée en janvier 2013 pour chasser les terroristes du nord du Mali qui étaient tombés en 2012 sous la coupe de groupes terroristes liés à Al Qaïda. Mais des zones entières échappent encore au contrôle du pouvoir central malien. Où ces groupes continuent de mener des attaques, notamment des attentats suicides, de poser des engins explosifs et de perpétrer des enlèvements. En Irak, l'ancien collaborateur de Saddam Hussein, Z Ibrahim El-Douri, serait mort dans une opération militaire dans la province de salah din Des tests ADN sont en cours pour valider cette disparition. Il était le dernier proche collaborateur de Saddam Hussein, toujours en cavale en Irak. Âgé de 73 ans, Aizat Ibrahim Dori a été tué lors d'une opération militaire d'envergure, a annoncé ce vendredi le gouverneur de la province de Salahdin à la chaîne de télévision Al Arabiya, qui a diffusé la photo d'un corps ressemblant à celui d'Al Dori. Mais un porte-parole de l'ancien parti basse a démenti l'information. Les Américains vont procéder à des tests ADN pour vérifier qu'il s'agit bien du roi de trèfle dans le jeu de cartes publié par l'armée américaine après l'invasion en 2003. Après la chute de bagdad, Ezet, comme le surnommaient les Irakiens, avait rejoint la rébellion anti-américaine. Malade, il réussit à survivre à la traque menée par les GIs et leurs supplétifs contre les affidés liés à Saddam Hussein. La CIA avait mis sa tête à prix pour 10 millions de dollars, mais nul ne savait vraiment où il se cachait, ni même s'il était encore en vie. Il avait été repéré en Syrie puis dans les monarchies du Golfe, et enfin en Irak, où son fils Moutana a été tué l'an dernier dans des combats face aux forces de sécurité irakiennes dans la province de Diyala. En titre, Aizet Ibrahim Ad Dori, originaire de la petite ville Dour, en titre, Aizet Ibrahim El-Douri était le numéro 2 du Conseil de commandement de la Révolution, l'organe qui dirigeait l'Irak sous Saddam Hussein. Si la mort d'Al Douri se confirme, le dernier survivant de la garde rapprochée de Saddam Hussein serait le chrétien Tareq Aziz, l'ancien chef de la diplomatie irakienne emprisonné depuis sa capture par les forces américaines en 2003. La cybercriminalité s'est tissée au rang du terrorisme en tant que première menace mondiale pour la société, a assuré vendredi le directeur d'Europol, saluant la création d'une plateforme mondiale contre les crimes commis grâce à Internet. La menace en ligne est énorme, c'est actuellement la plus grande préoccupation pour la sécurité avec le terrorisme, a déclaré Rob Rainwright, directeur de l'Organisation policière européenne Europol, cité par l'AFP. C'est devenu un problème mondial et nous avons urgemment besoin d'instruments mondiaux pour nous en occuper, a-t-il ajouté. Prenant en exemple les attaques informatiques, la circulation de pédopornographie, le vol de données personnelles ou encore les escroqueries en ligne. Monsieur Wainwright s'exprimait en marge d'un sommet sur la cybersécurité, rassemblant à la haie 1500 représentants de près de 100 pays, d'institutions telles qu'Interpol et Europol, ainsi que d'acteurs privés, dont Facebook et Microsoft. Ils ont d'ailleurs officiellement lancé vendredi une plateforme mondiale de partage d'expertise dans la lutte contre la cybercriminalité, nommée Global Forum on Cyber Expertise. Soutenu notamment par les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ce forum rassemblera les expériences d'un large panel d'organisations allant d'Europol à la Microsoft, en passant par l'Union européenne et Vodafone. C'est une initiative extrêmement importante qui aidera de nombreux pays, notamment ceux en voie de développement, à s'armer contre ce fléau, a déclaré Christopher Painter, coordinateur au département d'État américain sur les questions liées à la cybersécurité. 42 pays et groupes régionaux, dont l'Union africaine, ont déjà rejoint ce forum qui sera basé aux Pays-Bas. C'est féliciter le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Kunders. S'il y a bien une chose que nous avons appris sur la manière dont internet a changé les activités criminelles en Europe et aux États-Unis, c'est que nous n'y étions pas prêts, a conclu Rob wainwright. En Syrie, dans une interview diffusée samedi, le président Bachar al-Assad a accusé la Turquie qui soutient la rébellion d'avoir torpillé un plan de l'ONU visant à faire cesser les combats dans la métropole d'Alep. Il a jugé que la situation en Syrie est aujourd'hui plus dangereuse à cause de pays qui utilisent le terrorisme par procuration pour détruire un autre pays, en allusion notamment à l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar, qui, selon les analystes, ont fait parvenir récemment davantage d'armes aux rebelles, leur permettant de prendre notamment la grande ville d'Idleb dans le nord-ouest. Le médiateur de l'ONU pour la Syrie, Stafan Mistura, préconise un plan portant sur le gel des combats dans la deuxième ville de Syrie, ravagée par la guerre depuis 2012, est divisée entre secteurs rebelles et secteurs contrôlés par le régime. La province septentrionale d'Alep, comme celle d'Idleb, est frontalière de la Turquie. Les Turcs ont dit aux terroristes qu'ils soutiennent et supervisent de refuser de coopérer avec des a affirmé Assad au quotidien suédois Expressen, selon une vidéo de l'entretien en anglais diffusée par le journal. Tout plan que vous voulez faire appliquer en Syrie aujourd'hui pour mettre fin au problème sera saboté par une intervention étrangère tranche-t-il. Selon le président syrien, dont les forces sont appuyées sur le terrain par le Hezbollah libanais et d'autres groupes étrangers, l'envoyé de l'ONU est conscient qu'il échouera s'il n'arrive pas à convaincre ces pays de cesser de soutenir les terroristes et de laisser les Syriens résoudre leurs problèmes. Nous terminons avec la santé. Des chercheurs d'une équipe de l'Université de Californie du Sud affirment avoir trouvé le moyen de contraindre le corps humain se régénérer. Une découverte annoncée comme capitale. Jeûner pendant 72 heures peut permettre de reconstruire l'ensemble du système immunitaire même chez les personnes âgées ou gravement malades, telle est la conclusion de cette nouvelle étude scientifique. Si jeûner considéré comme néfaste pour l'organisme pour certains nutritionnistes, priver le corps de nourriture pendant 3 jours contraindrait la moelle osseuse à produire de grandes quantités de globules blancs qui combattent les infections. Cette découverte peut être particulièrement utile aux malades dont le système immunitaire a été affaibli, par exemple les cancéreux traités par des chimiothérapies. Selon les chercheurs de USC Jeûner lance un processus de régénération. Cela donne le feu vert à la moelle épinière pour reconstruire l'ensemble du système immunitaire. Expire Walter Longo, professeur de gérontologie et de biologie à l'Université de Californie du Sud. Et la bonne nouvelle est que le corps se débarrasse des parties du système immunitaire abîmées ou âgées et inefficaces pendant le jeûne. Et si vous partez d'un système fortement endommagé par une chimiothérapie ou le vieillissement, les cycles de jeûne peuvent permettre de créer littéralement un nouveau système immunitaire. Le jeûne prolongé contraint en fait le corps à consommer ses réserves de glucose et de graisse, mais aussi de détruire une proportion importante des globules blancs. Quand vous vous privez de nourriture, le corps essaie d'économiser l'énergie dépensée et pour cela recycle un grand nombre de cellules du système immunitaire qui ne sont pas indispensables, notamment celles qui sont abîmées. Ainsi, pendant le jeûne, le nombre de globules blancs baisse fortement s'alimente de nouveau. Le jeûne a aussi un autre effet bénéfique, il réduit la présence dans le corps de l'enzyme PKA, qui est liée au vieillissement et augmente les risques de cancer et de croissance des tumeurs. Il n'y a pas de preuve que jeûner soit dangereux, mais il y a de grandes preuves que ce soit bénéfique, résume Walter Longo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Numidia New News.